Loïc, à ton avis, pour un chalet, quel type de porte devrait-on mettre pour être en accord avec la couleur du bois? Attends, ta gueule, connard! Ta gueule, t'en fais! Ferme-moi gueule, parlez-vous! Romain, qu'en penses-tu? Oui, je dirais que cet individu, personnellement, fort en apparence, hein, du c'est intérieurement, c'est encore petit. Oui. Du roulou, tu veux une carrure de casseur de porte? On le gâcherait bien dans le bâtiment, je crois. Bon, bien sûr, il faudrait que j'aille voir Hélène au CFAI demain après-midi, une porte ouverte. Si toi aussi tu as trois chromosomes de trop, va voir Hélène au CFAI. Peut-être auras-tu une place comme caissier au Lidl. Envoie un message. Peut-être un casino. Oui, un hommage de casseur de porte. Non, tu rigoles. Oh Dieu, je veux une entente. Oh Dieu. Ah mais écoute, c'est un peu normal. Nous aussi, quand on est en histoire d'un homme tout à fait banal. C'est arrivé près de chez vous, enfin près de chez toi. Quoi. La victime. La gueule. Ah, la victime, c'est qui? Facteur. Le facteur. Le briseur de porte, on m'appelle. Allez, bonjour, petit Grégory, hein. Non, t'en connais pas, ça. Voyons, les deux. Ah, mais là... On peut aller dans la pluie, hein. On va dans le champ. C'est pour moi un petit, pas trop fort. T'inquiète. Et tu sais qu'on fait entre eux pour ça, maintenant. Ouais, tu dis, si tu me lâches, je te fous ma gueule en bas. Plus il balancera, plus il oh, j'ai l'air de mettre ma porte. Mon père est devenu humain. Il soufflait dans les derrières des chevaux avec un tout petit tube en verre. Pour que tu rentres en haut. Mon père était vétérinaire. Avec ton nom. Alors la fine. Fine, le pistac. Le pistac. Pistac.